Salut tout le monde de ma page Facebook. Je fais une vidéo pour... Parce que je suis juste trop paresseux pour écrire quelque chose. Dans la vie, j'ai une blonde. Ma blonde est enceinte. Pas mal à prendre de ça. Grosse, c'est à peu près comme... à peu près grosse de même. Elle est cédulée pour accoucher le 5 octobre. D'un petit gars. Là, j'essaie de te dire, vas-tu commencer à me faire chier avec ta vie privée tout le temps sur Facebook? Non, c'est pas ça l'affaire. Le but, là, de l'affaire, ce que je veux dire à toi, là. Mettons, je suis à Rimouski, hein? Il est 5h, t'es au resto, parce que je mange à 5h. Je dois recevoir mon assiette à 5h15, 5h45, j'ai fini, paye à 5h52, puis à 6h, je suis parti. Puis ma blonde m'appelle parce qu'elle a commencé à perdre ses os. Donc, c'est un exemple de même. J'ai perdu mes os! Moi, je vais être comme... Ah! T'es dans ton siège. Et puis là, juste avant que la vidéo s'ouvre, il y a quelqu'un qui va venir te dire « Ouais, finalement, François Bellefeuille sera pas là. » Faut croire qu'il s'en crisse de vous autres. Pas le fun, là, t'sais. Les chances sont minces, là, on s'entend, là. Regarde, ici, là, j'ai calculé tes chances sont d'à peu près 6%. Je vais rien calculer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, 6%. C'est un peu comme si t'étais en train de jouer à la roulette russe. Mais appelons-la la roulette de l'accouchement, tu sais. Je vais essayer de te faire un petit bricolage. Le monde comprend bien plus quand on bricole les petites affaires. On va dire que c'est une roulette, ça. OK? On va dire que c'est une roulette. Voici la roulette de l'accouchement. Ceux qui viennent me voir de ces villes-là, là, dans les 4 prochaines semaines, hein, finalement, vous ne savez pas, ça se peut que ma blonde, elle accouche le soir, que finalement, je venais vous voir. Si je suis obligé de canceller un show à cause que ma blonde est en train d'accoucher, je vous promets, que rapidement, je reviens dans ta ville avec un show hyper vitaminé. Mon show plus un hook. Mon show plus un... Ah! Mon show plus un... C'est quoi un show hyper vitaminé? En fait, ça veut rien dire. La raison pourquoi j'ai choisi ce terme-là, c'est que tu pourras pas me poursuivre. Tu sais, maintenant, tu reviens voir le show puis tu dis « François, il a dit que c'était hyper vitaminé, mais finalement, c'était de la merde. » Ça veut rien dire, hyper vitaminé. Fait que ça pourrait être genre juste mon show plus 3 petites vitamines sur la scène en avant. La roulette de l'accouchement. J'ai un bleu! J'ai aucune idée de qu'est-ce qui est arrivé.